Remède naturel et accueil pour burnes. La peau est un élément essentiel et rend notre corps à fonctionner correctement. Par conséquent, une brûlure peut affecter la peau tout à fait sérieusement, et cela peut être sous la forme de brûlures thermiques, les brûlures de température froide, les brûlures thermiques ou échaudures liquides, des brûlures électriques, brûlures chimiques, brûlures en plastique au chaud, dont chacun sera doux, mineur, modéré ou sévère. Il existe trois types de brûlures. First degré burn, affecte la couche externe de la peau appelée l'épiderme. Ils causent une douleur et une rougeur, mais ils ont une faible chance de cloques formant et peuvent être guéris naturellement à la maison. Brûlure au deuxième degré affecte l'épiderme et le derme et provoque des rougeurs, des douleurs et un gonflement et forme des cloques. Certains peuvent être traités à domicile et pour certains, vous devez consulter un médecin. Brûlure au troisième degré affecte la couche de peau plus profonde appelée tissu sous-cutané où se trouvent les os, les muscles, les nerfs et les vaisseaux sanguins glandes. Vous devez consulter un médecin, car il est a la vitre et home remède pour burn. Il n'y a aucun recours pour les brûlures au troisième degré en plus de traitement médical. Voici les remèdes naturels faits maison qui aident à guérir premier degré et des brûlures au deuxième degré. Eau froide L'eau froide traite les brûlures et les arrêts d'épandage. Versez de l'eau froide sur la zone de combustion pendant quelques minutes. Vous pouvez également appliquer des compresses froides sur la zone touchée et répéter plusieurs fois par jour. Utilisez du lait entier froid à la place de l'eau froide et suivre le même processus. Note, ne pas utiliser de la glace au lieu de l'eau froide, car il peut résister à la circulation sanguine et causer des dommages. Pommes de terre crues. Pommes de terre crues ont des propriétés anti-irritantes et apaisantes. Elle réduit la douleur et la formation de cloques. Coupez une pomme de terre crue en tranches et frottez une tranche sur et autour de la brûlure. Ne pas mettre trop de pression sur elle, mais assurez-vous que le jus libère de la pomme de terre. Utilisez immédiatement après la brûlure ce produit. Répétez le processus de frottement si cela est nécessaire. Miel. Honnête désinfecte les blessures et guérit les brûlures. Il apaise la douleur, attire les fluides dehors des tissus et nettoie la zone brûlée. Étalez le miel sur la zone brûlée directement, laissez sans miel dérangé ou étalez sur un bandage, appliquez directement sur les brûlures. Laissez pendant quelques jours pour un change le bandage 3, 4 fois par jour, répétez régulièrement. Noir thé, un sac. Le thé noir contient de l'acide tannique qui aide à tirer de la chaleur de la combustion et réduit la douleur. Mettez 3 sachets de thé dans une tasse d'eau froide. Laissez infuser pendant quelques minutes. Tamponnez les sachets de thé doucement sur la zone brûlée. Ou mettre froid, sachets de thé humide directement sur la zone touchée et couvrir avec de la gaze. Ajoutez 3, 4 sachets de thé et 2 tasses de feuilles de menthe fraîches, 4 tasses d'eau bouillante et remuez vers le point sti pendant 15 minutes. Filtrez le liquide dans un bocal et laissez-le refroidir. Tamponnez le liquide sur la zone brûlée avec une boule de coton. Aloe vera Aloe vera antalgique, astringent, tissu, des propriétés cicatrisantes et apaisantes qui guériburent. Rincez la zone touchée avec de l'eau froide ou de vinaigre, pincez gel frais à partir d'une feuille d'aloès vera, appliquez-ce sur la zone touchée directement. Laissez-le comme ça, vous pouvez également utiliser une crème contenant de l'aloe vera, Répétez régulièrement pour réduire les brûlures. Jus d'oignon. Oignons contiennent du soufre et la quercétine qui contribuent à donner le soulagement de la douleur et guérit les brûlures. Elle réduit la formation de cloques. Coupez un oignon en petits morceaux, appliquez le jus d'oignon sur les brûlures et frottez doucement, répétez plusieurs fois par jour. Le vinaigre vinaigre contient des propriétés astringentes et antiseptiques qui aident à traiter les brûlures mineures et empêchent l'infection. Diluez le vinaigre avec une quantité égale d'eau, rincez votre zone brûlée avec cela, trempez un chiffon dans la solution et couvrez la zone avec elle. Remplacez le tissu toutes les 3 heures, répétez ce processus continu. Huile essentielle de lavande. Huile essentielle de lavande a des propriétés antiseptiques et antidouleurs. Et réduit également le risque de cicatrices. Appliquez quelques gouttes d'huile de lavande directement sur les brûlures plusieurs fois par jour ou versez de l'huile de lavande sur un morceau de tissu propre et placez-le sur la zone brûlée. Remplacez tissu tous les deux, trois heures. Lait. La teneur en matière grasse dans le lait apaise les brûlures et accélère le processus de guérison. Lait non gras est également bon pour traiter les brûlures car il contient une enzyme spéciale qui guérit brûle très efficacement. Faire tremper la zone brûlée dans un bol de lait pendant environ 15 minutes, appliquer un gant de toilette imbibé de lait sur la peau brûlée, laisser pendant quelques minutes et continuer le processus pour tous les 3-4 heures. Laver la zone brûlée et le tissu après 24 heures avec de l'eau et du savon. Plantain livre. Feuilles de plantain sont riches en anti-inflammatoires, antimicrobiens. Anti-hémorragique et les propriétés expectorantes qui aident à guérir les brûlures sans cicatrices. Croche quelques feuilles de plantain frais pour extraire le jus, frottez le jus directement sur la brûlure. Solution salée. Celle traite les brûlures en tirant tout le liquide provenant de la zone. Mélangez un 2 cuillères à café de sel dans 8 onces d'eau tiède, rincez la zone brûlée avec cette solution obtenue 2 heures. Yaourt. Yogourt agit comme un antidote pour les brûlures. Il apaise et rafraîchit la zone brûlée également. Appliquez une tasse de yaourt directement sur la zone brûlée. Congé pour environ 15-20 minutes. Lavez doucement la zone touchée. Yogourt nature est recommandé. Répétez le processus régulièrement. Pelure de banane. Lutéine présent dans la peau de banane est un antioxydant puissant qui aidera à réduire l'enflure et l'inflammation causée par la combustion. Mettez une peau de banane sur la zone brûlée et frottez doucement, laissez jusqu'à ce que la peau devienne noire, répétez le processus. Sauce soja. La sauce de soja soulage la douleur et empêche les ampoules. Appliquez la sauce de soja doucement sur les zones brûlées, laissez pendant environ 30 minutes, lavez au loin après une demi-heure. Huile de vitamine E. La vitamine E aide à guérir les brûlures en réduisant la douleur. Vous pouvez soit prendre la nourriture qui a la vitamine E ou de l'huile, capsule qui a la vitamine E. Appliquez l'huile de vitamine E directement sur les brûlures et les congés, répétez le processus en continu. Moutarde. Moutarde réduit la douleur et des cloques et des cicatrices. Frottez la moutarde sur la peau brûlée gently.Live pour quelques minutes et zoachile avec de l'eau fraîche après une heure. Curcuma et huile de moutarde Curcuma est un antibiotique et aide à guérir les brûlures. L'huile de moutarde donne soulagement de la douleur. Mélangez un cuillère à café de poudre de curcuma et un cuillère à soupe de moutarde hol. point appli sur le burn point livre pendant 30 minutes et rincez. Répétez deux fois par jour. Flocons d'avoine des brûlures mineures provoquent des démangeaisons pendant la guérison. La farine d'avoine peut aider. Ajoutez un tasse de gruau non cuit à un bain de tiède water. Soak pendant environ 15 à 20 minutes. Live votre peau à l'air sec. Méfiez-vous, comme la farine d'avoine peut rendre les surfaces slippery. You peut également appliquer une lotion pour le corps pour éviter les démangeaisons. Glaçons. Manger de la nourriture chaude peut brûler la langue ou à l'intérieur de la bouche. Rincez un cube de glace dans water. Sucle cube pour obtenir le soulagement de la langue brûlure. 10 Plans La planification de votre régime alimentaire guérit les brûlures et renforce votre système immunitaire pour rendre le processus de guérison plus rapide. La vitamine C aide à guérir les brûlures et autres blessures rapidement, donc mangez des aliments tels que les agrumes, les pommes de terre, brocolis, etc. La vitamine A et de la vitamine E aident également à accélérer le processus de guérison afin de manger des aliments tels que les fruits verts et les légumes, les céréales et les noix, et etc. Buvez beaucoup d'eau pour rester hydraté. Mangez des aliments riches en protéines, calories, vitamines, minéraux et zinc. Conseils pour guérir les burnes. Suivez ces conseils pour vous aider avec vos brûlures. Appliquez la pâte d'antifrice blanche sur votre blessure ou de la zone brûlée et laissez une nuit à sécher l'inflammation. Utilisez la base de calendula pommade, gel ou crème car il contient des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et astringentes douces qui aident à guérir les brûlures rapidement. Évitez de toucher la peau brûlée directement avec vos doigts car il permettra aux bactéries de se propager à elles. Si vous avez un second degré ou des brûlures au troisième degré, ne pas éclater les cloques ou ramasser la desquamation de la peau autour des plaies. Ne pas appliquer la glace directement sur la zone brûlée comme il causera plus de dégâts à votre peau brûlée. Ne pas retirer les vêtements de la zone brûlée si elle est collée à la brûlure car elle conduit à des saignements, mais retirez les bijoux et les vêtements imbrûlés. Lavez-vous les mains avant et après le traitement des brûlures ou, si possible, portez des gants. Arrêtez de fumer car elle réduit l'approvisionnement en sang et de ralentir le processus de guérison. Appliquez la crème solaire et d'autres lotions pour le corps sur la zone brûlée parce qu'elle se propage comme une couche sur la zone brûlée et évitez la pollution, la poussière, l'effet du soleil sur elle. Appliquez du bicarbonate de pâte de soude, poudre à pâte mélangée avec de l'eau, ou du blanc d'œuf sur la peau brûlée pour obtenir le soulagement de la douleur. Remplacez les pansements régulièrement pour guérir la plaie et à l'abri des infections. Portez un tablier pendant la cuisson. Une cuisine est l'endroit le plus commun pour se brûler. Baissez la température du chauffe-eau en dessous de 120 degrés F tout en chauffant l'eau, comme une brûlure du second degré est plus susceptible de se produire dans l'eau chaude à 120 degrés. Essayez de garder un extincteur et une boîte de bicarbonate de soude à proximité. Couvrir toutes vos prises électriques avec des couvertures de protection spéciales. Brûlure de toute matière radioactive ne devrait pas être traitée à domicile. Consultez immédiatement le médecin pour un traitement médical.